been involved in the restoration of six of these aircraft over the years. Quant à Maxtop, qui était le constructeur et l'initiateur de cet avion, eh bien, l'armée de l'air n'a pas cru en son talent, et c'est bien dommage, parce que c'est un monsieur qui, après le Broussard, a dessiné le Super Broussard, qui est devenu, après le Nord 260, entré en production sous le nom de Nord 262, après quelques modifications. Et Max Holst, ce brillant ingénieur, s'est exilé au Brésil pour fonder une société présente ici au Salon du Bourget. À l'atterrissage, sans rebond, bien sûr, parce qu'il est voilà, posé de Brunoncourt. C'est même pas l'atterrissage. C'est tout à fait donc caractéristique du Broussard. Même lui, ce grand Bruno, nous a fait le petit rebond à l'atterrissage du Broussard. Bravo, c'était normal, on en avait parlé. Unique et belle. Bernard, après cette machine en piste, on va peut-être s'intéresser à un petit auditoire et une prophétie. Effectivement. La piste en service aujourd'hui est donc, vous l'entendez dire depuis tout à l'heure, la 03, lorsque l'on décolle ou que l'on se pose. En allant de la gauche vers la droite, ou bien la 21 lorsqu'on prend exactement la même piste, mais dans l'autre sens, en allant de la droite vers la gauche. Pour ceux qui ne seraient pas initiés à ces subtilités-là, bon, le numéro qui caractérise une piste, en fait, c'est en 90 degrés. Comme on dit, si vous décollez au Bourget en 03, c'est que vous faites face au cap 30 sur la route des vents. Et si vous prenez la même piste dans l'autre sens, faites la petite soustraction de 180 degrés qui s'impose et vous découvrez que vous décollez la piste 21, cette face au cap 206. Donc, la piste maintenant va être conseiller la piste et l'espace aérien. Ils vont être à Volvic. Ils croisent aux alentours de 300 km/h. Ils emprunte une vitesse à ne pas dépasser les TV. Elle est proche de 435 km/h. Siemens qui a fourni le moteur électrique qui permet donc de fournir directement la puissance. EADS a fourni le
système de batterie, le système de stockage de l'énergie électrique, et Austrian Engine a fourni le petit moteur, son moteur robot, qui permet de recharger les batteries de l'avion et qui permet donc de continuer à voler électrique. A noter jusqu'à présent, on a constaté par rapport à